peur ici. Appalachian sunrise, we smile. Even with my eyes still closed, feel it coming in. Golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow the golden. Golden, golden thing. Ça, je le fais depuis peu, de faire ce que je viens de faire devant vous, c'est-à-dire que je fais quelque chose, je range de suite. C'est vraiment une astuce toute simple. Moi, j'aurais eu tendance, par exemple, à laisser tout ça sur la table, à aller coucher ma fille, à remettre ça à plus tard, et en fait, c'est comme ça qu'il y a du bazar partout dans la maison et que ça devient hyper compliqué après de tout ranger. Alors, j'essaie de m'imposer, dès que j'utilise quelque chose, ou dès que j'ai terminé en tout cas d'utiliser quelque chose, je le range tout de suite à sa place. C'était un fail complet. Oui, je sais que je parle tout seul, c'est bizarre. J'ai essayé de coucher ma fille, mais elle résiste, hein, elle résiste, ça fait 30 minutes. Mais en même temps, je pense qu'elle était un petit peu fatiguée, mais que c'est peut-être un peu tôt pour la recoucher, parce qu'elle s'est levée à 10h, et qu'elle a fait une nuit de 12h. Et donc ça aurait été un petit peu compliqué, à mon avis, selon elle, de refaire une sieste une heure après, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que elle va aller jouer sur son tapis ou dans le transat. Oui. Pendant qu'on prépare à manger, on va faire une petite purée à quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et ensuite, on ira faire dodo. Petite sieste de digestion. C'est pas mal, non ? Quel canal ! Elle résiste au sommeil, c'est catastrophique. Et en fait, il faut savoir, alors ça j'ai découvert au bout d'un mois et demi, que plus un bébé dort, mieux il dort. C'est pas du tout comme nous, en fait. C'est-à-dire que plus un bébé est fatigué, moins il arrive à dormir. Mais n'est-ce pas ? Et donc quand elle est en dette de sommeil, quand elle n'a pas assez dormi, soit à cause de douleur ou parce qu'on n'a peut-être pas assez respecté son rythme, etc. Et ben c'est encore pire qu'avant. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était il y a 2 jours. Elle a fait une nuit mais horrible. Moi j'étais sortie, je suis allée chez sa marraine, je l'ai prise avec moi, mais du coup ça n'a pas bien respecté son sommeil. Et en fait elle a dû dormir dans la journée plus la nuit, hein, je vous dis... Allez, peut-être 10 heures, ce qui n'est pas du tout suffisant pour un bébé. Et alors, ça a été l'enfer, mais l'enfer le lendemain.
horrible, un petit bébé odieux, alors qu'elle est tellement cool normalement. Et donc hier c'est une journée où elle a énormément dormi. Elle a fait une bonne nuit et elle a refait une sieste le matin de 30-40 minutes. Et l'après-midi, elle a refait une sieste de 3 heures, plus ensuite une heure de sieste. Enfin, et du coup, elle a trop bien dormi cette nuit. Donc c'est vraiment comme ça, je le dis peut-être pour les jeunes parents, pour les futurs jeunes parents. C'est pas du tout instinctif chez nous, mais vraiment plus un bébé dort, mieux il dort. En tout cas, c'est comme ça chez ma fille. Bref, c'est pour ça que j'ai tendance à la mettre tout de suite à la sieste dès que je vois son petit œil brillant. Voilà, peut-être que j'exagérais un peu parce qu'elle s'est élevée il y a même pas une heure. Voilà, c'est bon, j'arrête de parler toute seule. Je te mets dans le transat. C'est un nouveau tableau, ça. Je l'ai trouvé chez Emma et je trouvais ça hyper pratique. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc c'est un petit tableau, somme toute, assez simple. Hein. C'est un tableau avec un petit feutre comme ça qui s'efface. Alors à la base, je cherchais pas spécialement les petits lapins. Il y en a des beaucoup plus simples que ça et plus petits que ça chez Emma. Mais il n'y en avait plus au moment où j'y étais. Et je me suis dit que c'était plutôt mignon. Et en fait, on s'en sert pour noter ce que mange ma fille le midi. J'en profite aussi généralement pour noter nos idées de repas pour le soir. On fait pas du meal prep, mais je sais à peu près en avance de 3 jours ce qu'on va faire. Comme ça, ça me permet de pas avoir à faire des courses tous les jours. Voilà, et je note aussi qu'on a des trucs à faire à deux, enfin qu'on a des soirées prévues, tout ça, des rendez-vous à deux. Nous sommes lundi au moment où je commence ce vlog, donc rien n'est prévu, j'ai effacé ça ce matin. Et pour le déj de ma fille ce midi... Alors attendez, généralement je prends un petit feutre rose pour ça. Et là je vais faire... Alors j'ai fait décongeler des épinards, donc on va faire épinards... Plus reste, j'ai ouvert un petit pot butternut et je vais mettre des protéines. Qu'est-ce qu'on va mettre, épinards, hein ? On va mettre du poisson. Et en fait, dès qu'on met une protéine animale, parce qu'on met pas des protéines animales tous les jours, le but c'est pas du tout de lui en donner. On avait même hésité à faire un régime plutôt végétarien comme nous, mais finalement non. Dès qu'on met une protéine animale, on met un petit lapin comme ça on voit très rapidement et on voilà, trois fois dans la semaine à peu près. Protéine animale, ça peut aussi, on peut aussi mettre de l'œuf, ça compte. C'est complètement le bazar parce que j'ai tout changé de place. Il y a la chaudière qui a été révisée ce matin. Comme elle est dans la cuisine, il a fallu que je déplace tout. Donc je vous ai dit épinards, il faudrait les hacher d'abord, enfin les mettre en purée. J'ai acheté un bras, un mixeur bras, alors j'ai un vrai blender derrière, là où on voit, que j'adore pour faire les smoothies, faire des soupes, tout ça c'est hyper pratique. Mais pour les petites quantités, les petits trucs à hacher comme ça, je trouve que le bras est beaucoup beaucoup plus pratique. Ça évite de laver à chaque fois tout le truc et tout. Donc c'est un bras de la marque Bosch, il me semble, et il est vachement bien. Ouais, c'est Bosch. Et là, vous voyez, j'ai fait décongeler hier des épinards. Il y en a trop pour sa purée de midi, mais comme ça, j'en fais un petit peu d'avance pour les prochains jours. Je vais mettre un petit peu d'eau quand même. C'est totalement au pif. Hein. Et bah, je vais le brancher. Alors, ce qui est pas du tout pratique avec cette cuisine, c'est que toutes les prises sont au fond. C'est un bazar sans nom. Mais bon, quand on est à la maison toute la journée, on fout le bazar beaucoup plus facilement et encore plus avec un bébé, je vous raconte pas. Bon, j'ai mis un peu trop d'eau, je pense. Ça fait vraiment des épinards. Bon, remarque. Non, c'est pas grave, ça ira très bien. Ça, c'est un reste de petits pots. Ça peut dépanner quand même. Et là, c'est butternut pomme de terre. Donc ça va donner un tout petit peu de consistance. Hop, et je vais mettre du poisson. Hyper pratique, ça. C'est des petits carrés de protéines. Donc de poisson, il y a de la viande aussi et tout. Et ça évite de devoir les cuisiner, les mixer soi-même et tout. Ça se présente comme ça. Et c'est une portion à chaque fois, 10 grammes. Hyper, hyper, hyper pratique. Oh là là. D'accord.
Allô, Issa, lui, dis donc. Souhaitez-moi mon courage. C'est une journée qui a commencé hyper bizarrement. Vous l'avez vu, j'ai peu de voix, j'ai complètement perdu la voix les derniers jours. Sans avoir trop mal à la gorge, mais bon, tout s'est un petit peu, j'étais un petit peu prise. Pareil, j'ai refilé à ma fille, donc c'était un peu... Ça a été un peu hardcore, mais grâce aux anticorps que j'ai développés, ma fille, ça a vraiment pas duré longtemps et ça n'a pas été grave parce que ça passait à travers le lait et que je continue un petit peu de l'allaiter. J'ai introduit un biberon parce que ça y est, elle l'accepte enfin. On a eu énormément de mal à lui faire... Elle en prenait de temps en temps en fait les biberons, à partir de 2 mois. Dès que j'étais pas là, si je voulais m'absenter un peu plus, tirer du lait et on lui donnait un biberon. Ça a été compliqué au début de lui donner. Mais au bout d'un moment elle a accepté et en fait au moment où on est passé à la diversification, donc où elle a commencé à goûter des choses à la petite cuillère et tout, le biberon ça a été miette. Et alors là, moi qui voulais commencer à prendre un petit peu plus d'indépendance on va dire, quitte à passer, j'étais même prête à arrêter l'allaitement, et ben elle a refusé catégoriquement les biberons. Et ça a été hyper compliqué moralement, on a mis tellement d'énergie chaque jour à essayer de lui faire essayer sans pour autant s'acharner pour pas la dégoûter, mais vraiment ça nous a pris la tête, c'est-à-dire qu'on vivait biberon toute la journée, on était obsédés par ça, et quand je mettais mon propre lait dedans et qu'on la voulait pas, c'est du lait qu'on est obligé de jeter en plus, donc je me disais mais attends, mais ça veut dire qu'il faut que je retire du lait, que j'en ai assez pour remplir un petit biberon, mais si c'est pour le jeter après c'est hyper chiant, bien qu'on soit pas obligé de jeter du lait comme ça, on peut l'utiliser dans le bain, on peut en faire des savons, tout ça, mais bon. Vous voyez l'idée? Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que ça y est, elle a enfin réussi à accepter. Alors j'ai acheté, je vous jure, je pense que j'ai acheté toutes les tétines et les biberons du marché. Et finalement, les revenus aux biberons qu'on utilisait de base, c'est les mâmes. Et en fait, elle a accepté au bout d'un moment. En fait, on a déjà espacé un peu plus. Généralement, elle tète toutes les 2 heures. Et pour le biberon, en fait, pour qu'elle ait assez faim, il a fallu attendre 4 heures. Et ça a marché quand on s'est baladé avec elle dans l'appartement. C'est-à-dire que si elle était assise ou sur moi, ça marchait pas. Par contre, de se balader avec elle ou d'aller devant un miroir, devant une plante, tout ça, elle l'a accepté et elle a commencé à téter toute seule. Et du coup, chaque jour, on met un biberon, même si je suis là, pour qu'elle reste vraiment habituée et que moi, j'espace de plus en plus les tétés. Et après, si vraiment je m'absente, il n'y a aucun souci, elle prend un deuxième biberon ou un troisième biberon. Mais c'est vraiment histoire qu'elle garde l'habitude. Pourquoi je vous disais ça? Je vous disais oui, que ça avait commencé bizarrement la journée. Alors il fait trop beau depuis hier et ça change tout. Quel kiff. Mais j'ai abîmé ma voiture et je suis dégoûtée. En fait, ce matin, quand mon mec est parti promener Timaya, il m'a dit qu'ils sont en train de mettre des écriteaux en fait sur les arbres, là où j'étais garée vraiment en bas de chez moi, en disant qu'il fallait bouger la voiture parce qu'à partir de demain, pendant 3 jours, il va y avoir des travaux d'élagage. Donc il m'a dit vas-y maintenant parce que ce soir à mon avis il n'y aura plus de place dans le quartier parce que tout le monde aura bougé la voiture. Donc j'y suis allée mais un peu rapide, voulant trouver une place, mon mec devait partir au boulot après, on attendait le gars pour la chaudière en même temps, enfin bref, je suis partie vite et j'ai vu, mais directement quand je suis sortie chez moi, une place dans la rue perpendiculaire. C'est une rue qui est très en pente. Mais il y avait une place très grande en plus qui n'allait pas du tout être compliquée à faire. Donc j'y vais, mais c'est vrai, un petit peu pressée. Et je ne suis pas hyper à l'aise avec la conduite, vous avez peut-être suivi, mais moi je suis une grande phobie, que ça faisait 7 ans que j'avais pas conduit avant que je rachète une voiture là. Donc, si vous voulez, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais c'est vrai que j'ai dépassé énormément de peur en me remettant à la conduite. Et donc voilà, je suis pas hyper à l'aise non plus. Et en fait, en voulant me garer, je sais pas ce qui s'est passé, ma voiture, en fait, vous savez, c'est une automatique, et sans même avoir besoin d'appuyer sur l'accélérateur, elle avance ou elle recule selon le mode où je suis, tout simplement. C'est comme si elle était... c'est comme si on était en première, je crois, sur une manuelle. Ça avance... Non, c'est même pas en première, justement, mais ça avance un tout petit peu. Et sauf que là, la rue était tellement en pente qu'elle n'avançait pas, elle restait statique. Donc j'ai dû accélérer sur... Enfin, j'ai dû appuyer sur l'accélérateur qui était en mode recul, hein. Mais comme c'était en pente, je pense que j'ai mal dosé, donc elle avançait pas, et d'un coup, elle a reculé, ce qui fait que j'étais en plein créneau et qu'elle s'est pris le mur. C'était contre un mur. Heureusement, c'était pas une voiture, donc au moins j'ai pas abîmé une autre voiture, mais je me suis quand même... ça a fait un sacré bruit. Alors je me suis dit, mais putain, mais comment... Ça y est, mon premier accident, j'imaginais que c'était... Enfin, ma voiture était foutue et tout ça. Et en fait, j'ai réussi à me garer, je suis sortie, j'ai regardé... Ça va, c'est pas catastrophique, il y a quand même des bonnes rayures. J'ai cassé une toute petite partie de mon phare. Donc déjà de commencer la journée comme ça. Ensuite,
bah, il fallait que j'attende. Je voulais commencer un vlog, j'avais envie de me remettre à bosser tranquillement, mais il fallait que j'attende, vous savez, le mec pour la chaudière, parce qu'on a un vrai problème avec notre chaudière à gaz. On est locataire dans cet appart. Et en fait, c'est le premier vrai hiver qu'on passe dedans, parce qu'avant j'étais dans mon autre appart. Et là, on a eu des factures de gaz, mais qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'on était à genre 350€ de gaz par mois. Vous imaginez, pour 2 mois, de 700€ d'un coup, c'est pas du tout le truc qui fait plaisir. Et pourtant, on met pas du tout le chauffage à balle, pas du tout. Très mauvaise surprise. Et donc, il venait réviser la chaudière parce que ça, c'est obligatoire, le faire tous les ans. Et en plus de ça, je lui ai demandé. Et en fait, il m'expliquait que ouais, c'était un truc. Déjà, on a un thermostat pourri, donc ça, il faudrait le changer. Il faudrait demander au propriétaire de le changer. Un thermostat qui gère pas du tout bien le truc. Et moi, j'avais mis les radiateurs tous à 2-3, ce qui est la température moyenne, on va dire. Ça, c'était un conseil d'un conseiller EDF. Et le mec de la chaudière m'a dit, mais pas du tout, vous les mettez à 5. Comme ça, ça répartit mieux la chaleur. Bref, je sais pas quoi. Donc on va voir peut-être pour changer le thermostat, mais de faire des factures de gaz comme ça tous les mois, c'est pas du tout un budget qu'on avait prévu, quoi. Si vous imaginez sur un loyer, est-ce que ça rajoute plus 300-400€ par mois? Bref, donc vous voyez tout ça, et ensuite j'étais vraiment focus sur ma fille qui s'est réveillée à 10h, mon mec est parti à ce moment-là, donc j'ai dû gérer voilà, les premiers instants, tout en prenant un petit peu de temps pour moi. Je me suis posée un petit peu avec un podcast, je me suis maquillée et j'ai un petit peu tricoté, j'ai bientôt terminé, c'est ma dernière pelote. Je m'y suis remise il y a très peu de temps, en fait j'avais profité d'une vente sur l'application Choose qui vendait des kits, je crois que ça s'appelle, alors attendez, ça s'appelle, si on voit bien, ouais c'est hyper swag, ça s'appelle We Are, comment ça se dit, Knitters, Knitters, I don't know, All the Happiness in a kit. Ouais, c'était une vente sur Choose qui vend des, on va dire des kits pour tricoter. Moi, j'ai pris le truc le plus simple. Hein. Enfin, je suis pas partie dans un bonnet. Alors, bien que le bonnet, ça doit pas être extrêmement compliqué, mais je suis pas partie dans un pull avec, de devoir faire des manches, un patron, etc. J'ai pris un plaid. Je me suis dit que ça allait être rectangulaire, plutôt simple à réaliser. Et moi, j'ai pas tricoté depuis que je suis petite. C'est ma grand-mère qui m'avait appris à l'époque, j'avais jamais rien fabriqué si ce n'est j'enchaînais les rangées en fait, juste pour le plaisir de tricoter, j'adorais ça. Nous avons été coupés à cause d'un problème de batterie et j'en ai profité pour baisser un petit peu la luminosité parce que j'étais vachement surexposée. Qu'est-ce que je vous disais, oui moi j'avais pas tricoté depuis longtemps et en fait là j'adore moi me repencher un petit peu sur les activités hors écran, donc vous savez peut-être que pendant ma grossesse je me suis un peu mise à l'aquarelle, alors c'est vraiment du loisir, hein. Je prends pas la tête, justement je veux faire une activité qui est un peu gratuite, dans le sens gratuite où il n'y a pas de finalité précise, c'est que le plaisir du processus, vous voyez. Et là le tricot, bah, je sais pas, ça me donnait envie, ça m'a donné envie, j'ai pris un plaid, alors il n'y avait pas exactement la couleur que je voulais, moi à la base je voulais une couleur crème, il restait plusieurs trucs, mais moi j'ai pris la couleur un peu jaune moutarde, c'est pas du tout la couleur que je préfère, je sais même pas pourquoi j'ai choisi ça, mais c'est une des couleurs préférées de mon mec, donc ça lui fera plaisir. Même si monsieur est anti-plaid, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est dans l'idée, je pense que l'image du plaid ou du mec avec un plaid, je sais pas, ça lui pose un problème, va savoir. Bon, il a dit quand même que comme c'est moi qui l'avais tricoté et qu'en plus c'était une de ses couleurs préférées, peut-être qu'il le prendrait, soit pour lui, soit pour ma fille. Et c'est vrai que c'est super cool à faire. Alors j'ai pas du tout suivi le patron, parce que c'était une sorte de point. Que je maîtrisais pas, j'avais la flemme, j'avais juste envie de me faire kiffer, donc j'ai fait des points classiques, je sais pas du tout comment ça s'appelle, ceux dont je me rappelais. Je suis un tout petit peu déçue parce que je pensais vraiment que ça allait être mieux expliqué. En fait, moi je partais sur un kit vraiment pour apprendre à tricoter et je savais qu'il y avait un système de tuto vidéo, mais en fait, c'est un système de tuto vidéo qui est fait, par exemple, sur la notice, on va nous dire bah, tel point. Pour apprendre tel point, vous allez sur cette vidéo. Pour apprendre à recommencer une pelote, hop, il faut aller sur une autre vidéo. J'aurais préféré en fait que pour chaque modèle vendu, parce que moi j'ai pris un plaid, mais il y a des écharpes, il y a des bonnets, il y a des pulls qui sont assez canons d'ailleurs. J'aurais voulu qu'il y ait un tuto pour le modèle entier. Vous voyez que je ne suis pas obligée d'aller voir plein de tutos à droite à gauche. Ça aurait été, je trouve, plus simple. Donc peut-être que pour les débutants, vraiment débutants de chez débutants, c'est pas idéal.
Par contre, pour les personnes qui maîtrisent un petit peu plus, c'est des kits qui sont assez sympas. Alors après, je suis tellement novice, j'y connais rien, qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres marques qui sont géniales, et n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire, parce que j'ai bien kiffé. Là, j'en arrive, je suis à la dernière pelote, je suis un petit peu déçue. Bref, je vais me préparer à déj, il est 13h, j'ai pas encore mangé, j'ai faim. Hier, j'ai préparé un curry, mais on ne l'a pas mangé, on s'est commandé des burgers. Aïe aïe aïe, des burgers VG qui sont délicieux. On s'est fait ça hier soir devant un épisode de Your Honor. Je sais pas si vous regardez cette série sur Canal+. Je suis trop contente parce que on a regardé la première saison, alors que c'est une vieille série, je crois qu'elle a quand même quelques années. Et mon mec, quand on était sur Canal+, comme ça, à regarder ce qu'on allait regarder justement, il m'a dit: tiens, est-ce que t'as vu cette série? J'ai dit bah non, je connais pas du tout. Et il m'a dit franchement elle est géniale, il faut qu'on la regarde. Et lui ça lui faisait plaisir de la revoir. Donc on a enchaîné la première saison, j'ai adoré. C'est pas un truc hyper léger, déconnant pour déconnecter, hein, c'est pas du tout ça. C'est un truc un peu thriller, stressant. Enfin thriller non, mais c'est un petit peu stressant. Et c'est, j'ai un trou de mémoire avec le nom de l'acteur, mais c'est le merveilleux acteur de Breaking Bad, que je n'ai même pas vu d'ailleurs en série. Et en gros, c'est un juge très apprécié, très juste justement, aux États-Unis. Et son fils, ça c'est dans le premier, c'est dans le premier épisode, hein, donc je vous spoil pas du tout. Mais son fils, comment dire, est impliqué dans un accident de la circulation grave. Et toute la première saison, c'est, en fait, c'est finalement sur qu'est-ce qu'un père est prêt à faire pour protéger son enfant. Hyper bien. Hyper hyper bien. Et là où c'est vachement bien fait quand même, c'est qu'on a terminé la série et j'étais dégoûtée, et en regardant sur internet pour savoir quand est-ce qu'allait sortir la deuxième saison, hop, 2 jours après, hasard de dingue, trop bien. Donc ça a commencé sur ça a commencé à passer sur Canal tous les jeudis soirs, il y a 2 épisodes, et on en avait vu qu'un jeudi dernier, et donc on s'est maté le deuxième. Je papote, mais j'ai encore oublié de quoi je vous parlais. Du curry, voilà. Alors voilà pourquoi on a commandé des burgers, je ne sais pas, mais bref. Le curry, que je vais manger ce soir, je pense. Et ce midi, du coup, qu'est-ce que je vais me faire? Je sais pas. C'est un tel bordel, regardez-moi ça. Je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que je vais peut-être pas manger écurie ce soir, écurie ce midi, vous voyez? J'ai un reste de légumes. Peut-être faire ça. J'ai un reste de légumes rôtis. Que... Non, pas rôtis, ceux-là. Ceux-là, je les avais fait à la vapeur. C'est un mélange patate douce. Patate douce, couche butternut et potimarron à la vapeur. J'en avais fait en grosse quantité, donc on en a utilisé dans des wraps, on en a utilisé dans une salade de quinoa, et je pense que je vais faire ça en fait. Je les ai congelés hier. Là je pense que je vais me préparer une salade de quinoa et je vais en mettre dedans, et comme ça il nous en restera ce soir pour mettre dans le curry, ça peut être super bon. Et niveau... taf, aujourd'hui il faut absolument que je réponde à des mails, ça fait une semaine que j'ai pas ouvert et répondu à mes mails. Il faut que je fasse de la comptabilité, parce qu'à la base je m'étais dit que je le faisais tous les dimanches, d'ailleurs je l'ai pas fait, et la semaine d'avant non plus, donc là j'ai 2 semaines à rattraper. Et en fait avant j'étais plutôt du style à faire une fois par mois, voire une fois tous les mois et demi, et en fait c'est un enfer, je déteste faire ça de base, donc si je dois y passer 2 heures c'est très très compliqué pour moi, ça m'énerve. Et j'ai vraiment l'impression de perdre du temps. Du coup, je préfère me fixer genre le dimanche soir où ça me prend un quart d'heure pour faire la compta de la semaine. Et ça passe beaucoup mieux comme ça. Voilà, ça c'est un de mes tips d'organisation. Vous savez peut-être, je suis un peu dans une lubie organisation et rangement en ce moment. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Enfin, je commence à rassembler pas mal de tips, j'essaye des trucs et tout ça. Et donc voilà, de faire cette tâche, de me l'imposer tous les dimanches et d'essayer de la faire, de respecter ça, c'est pas mal. Donc voilà, répondre aux mails, faire ma compta, filmer ce vlog, qui demande quand même du travail aussi et du temps, et m'occuper de ma fille, accessoirement. Là, elle dort. Ça a marché. Elle va faire une bonne sieste. Changement de programme, flemme de dingue. Je vais faire une soupe. Les soupes Picard sont délicieuses, vraiment. Et là, c'est une soupe, c'est un velouté de patates douces, carottes jaunes et ciboulette. Très très bon. Il y en a d'autres qu'on adore. Je vais me faire ça, je vais faire je vais faire chauffer quelques légumes. Peut-être un petit peu de tofu, si on va avoir des protéines. Et peut-être une ou deux tartines de beurre pour mettre dans la soupe, ça peut être pas mal. Normalement, on achète du pain à la boulangerie, du pain complet. On a voulu essayer justement chez Picard quand on y est allé la dernière fois. Et ils font enfin, c'est plutôt pas mal. Ils ont du pain complet, du pain aux céréales. Et franchement, je trouve que ça dépanne. On préfère toujours aller à la boulangerie.
mais ça peut servir. Pas sûr que ce tofu se chauffe. Ça a rien de mal, hein, mais. Ok, plutôt fait pour. pour le froid. Il est bon. C'est épinard et noir, je crois. Bon, c'est pas grave, on va chauffer, on verra. J'ai commencé une série sur Netflix que j'aime beaucoup, qui s'appelle Easy. C'est des épisodes qui ne se suivent pas. J'ai pas encore compris exactement. Alors ça parle pas mal de sexe, mais pas seulement de couple, de relations et tout. Et je trouve ça... j'aime beaucoup. C'est des petits épisodes de 20 minutes et je trouve ça très bien joué, assez pertinent, intelligent. J'aime bien, très sympa à regarder. J'en suis à l'épisode 7 là. J'ai découvert ces chocolats il y a peu et ils sont délicieux. Je les trouve chez Naturalia et sincèrement gros coup de cœur. Le glace framboise, j'adore. J'adore le chocolat noir avec des notes de fruits, donc framboise, orange. Et celui-ci, je l'ai plutôt pris pour mon amoureux et il l'adore. Et que la noisette, ça a vraiment un petit goût de Ferrero Rocher. Délicieux. Et donc là, pour la petite touche sucrée, je vais me faire un carré de chaque. Et je me suis préparé un petit thé Gain Matcha. C'est un de mes thés préférés, c'est un thé vert. On l'appelle le thé popcorn, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous voyez, on voit y a un petit peu de popcorn et des grains de riz soufflés. C'est délicieux. Et celui-ci vient de Anatae, une marque que j'adore et avec qui je travaille depuis pas mal de temps, qui à la base est vraiment spécialisée matcha. Mais il y a plein d'autres types de thé et leur Gain Matcha est délicieux. Je viens de terminer l'épisode. C'est pas celui que j'ai préféré, mais je la trouve vraiment bien faite cette série. J'ai regardé un peu sur internet pour vous décrire un peu mieux la chose, parce que je savais pas du tout comment résumer. Mais par exemple sur internet, c'est décrit comme une anthologie qui explore la technologie et la culture de la romance moderne à travers divers décors et personnages de Chicago. Parmi eux, un couple marié qui espère raviver sa vie sexuelle. Mais ça c'est juste le premier épisode. Et je vous disais que c'était pas des épisodes qui se suivent, mais là où c'est intéressant, c'est que par exemple, on va retrouver des personnages sur lesquels il y avait un focus pendant tout un épisode, et c'était eux les héros d'un épisode, et en fait, ils vont apparaître dans d'autres épisodes, mais vraiment comme des rôles, c'est même pas des rôles secondaires, c'est des accessoires dans la série, c'est des rôles accessoires, ouais. Mais j'aime bien ce truc, de cette impression de... On entre en fait finalement dans l'intimité de chaque couple et en fait ils se connaissent tous un petit peu plus ou moins et de façon plus ou moins directe, mais ouais, je trouve le procédé plutôt intéressant. Donc là c'était pas celui que j'ai préféré, je vais vous montrer comment ils le décrivent. En pleine rupture, une jeune actrice embrasse un bel avenir plein de possibilités, tandis que la comédienne qui partage la vedette avec elle se confronte aux réalités du fait de vieillir. Donc voilà, il y en a une qui est en pleine rupture, elle a 32 ans, et du coup elle a quand même... elle a toute la vie devant elle. Oui, encore à 32 ans quand même. J'ai 32 ans, j'imagine que j'ai aussi ma vie devant moi, bien que ça soit plus aussi jeune que ça. Et elle partage la vedette avec une autre actrice qui a 5 ans, qui pareil a une vie assez solitaire. Et donc on est confronté à ces deux réalités-là. L'épisode d'hier, c'était plutôt show. C'était avec Orlando Bloom, figurez-vous, qui est encore plus beau qu'avant. Après avoir découvert les merveilles de Tinder, un couple curieux veut essayer une partie à trois et reçoit une proposition envoyée par l'une de leurs amies. L'épisode d'avant, c'était un auteur de BD qui raconte exclusivement les péripéties de sa vie amoureuse, rencontre une étudiante en photographie qui inverse les rôles le temps d'une soirée. Ça, c'est avec Emily Ratajkowski. Assez intéressant aussi, sur la vie privée
qui finalement finit sur internet. Celui d'avant, c'est lorsqu'un ami de la femme, un fêtard invétéré, arrive en ville et décide de squatter sur leur canapé. La tension monte rapidement dans un couple qui essaie pourtant d'avoir un enfant. Donc on va dire que c'est pas hyper optimiste tout le temps. C'est plutôt réaliste en fait, mais c'est pas réaliste. Ouais, c'est plutôt réaliste. Et joli quand même. Et c'est plus nuancé que ce qu'on voit en tout cas dans la pop culture. Et ça, j'aime bien. Et c'est voilà, comme je vous le disais, c'est des bons formats, c'est des 20 minutes et tout. Et là, moi, je suis dans la première saison qui est une saison qui date de 2016. Et je me souviens finalement avoir regardé cette série il y a très longtemps, en 2016. Et j'avais pas accroché, j'étais pas allée au-delà du deuxième épisode. Et là, maintenant, j'aime bien. Regardez là, celle-là qui est sur le canapé. Dis donc, mademoiselle. On est passé à la pharmacie aussi. C'est pas. Ça fait pas rêver ce que je vais vous montrer. Mais bon. C'est pas que ça fait pas rêver, mais c'est pas. Pas très amusant, quoi. Des petits cotons pour mademoiselle. Alors, s'il y a des futurs jeunes parents. Qui me regarde beaucoup plus simple d'utiliser ce type de coton et pas des disques démaquillants, vous voyez, c'est ce qu'il y a à l'hôpital généralement, c'est moins cher et ça suffit largement. Donc j'en ai pris deux parce qu'il y a une offre pour les deux. J'ai pris des petites pipettes de Camilla, c'est l'homéopathie pour le mal de dents. Je pense que ça existe aussi en granule, mais c'est moins facile à donner comme des bébés. Faudrait les faire fondre dans l'eau, le donner au biberon, etc. Donc ça, c'est pas mal. Bon, je sais pas si c'est d'une efficacité folle, hein, mais ça dépanne. Ça dépanne et quand il y a vraiment grosse crise, c'est du Doliprane qu'il faut. Et sinon, une pince à épiler, parce que j'ai cassé la mienne. Alors, première fois de ma vie que ça m'arrive. Ça, là, vous voyez le bout, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, ce qui les relie, c'est détaché en deux. Bon, c'était une vieille pince à épiler. On va les préparer le biberon, on va les mettre à chauffer un peu l'eau. On vient de revenir, et bon là ça se voit pas, j'ai pas du tout l'impression que ça se voit et ma peau s'est un petit peu apaisée depuis, mais aujourd'hui il fait très froid et il y a du vent. Et quand il fait froid comme ça, j'ai vraiment la peau qui rougit. Et en fait, vous en souvenez peut-être, j'ai développé une forme assez poussée de rosacée coupe rose pendant ma grossesse, pendant mon deuxième trimestre. Impossible de prendre rendez-vous avec une dermato, enfin franchement avant 9-10 mois. Mais selon les symptômes, c'était bien ça. Et là j'ai vu une dermato il y a quelques semaines, parce que je vais faire enlever et ce grain de beauté et celui-là pour des raisons purement esthétiques, parce que celui-là je sais qu'il va... Enfin les deux vont grossir, je le sais, et je trouve pas ça très joli et il vaut mieux les enlever maintenant plutôt que ça fasse une plus grosse cicatrice. Et d'elle-même, elle regardait ma peau, elle m'a dit « Ah tiens, par contre vous avez une forme de coupe rose. » Donc j'avais raison, c'est bien, j'avais fait le bon diagnostic. Bien galère. Ce qui m'avait vachement aidé à l'époque, c'est le sérum
Instant Calmer de chez Paille, vachement bien. Il y avait une brume de la marque Red Avert qui était bien. Il y avait un masque aussi à base de miel et d'argile qui était vachement bien. Je sais pas exactement quel est le 3 des 3 produits. Je pense que c'est le sérum qui m'a vachement qui m'a vraiment le plus aidé. Je vous mettrai l'article que j'ai fait sur le sujet en barre d'infos. Toutes les infos sont toujours en barre d'infos, que vous le sachiez. C'est ce qui me prend le plus de temps, je pense, en plus du montage. Le montage me prend beaucoup de temps, mais généralement, faire la barre d'infos me demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas, parce que je mets vraiment un maximum d'infos. Donc voilà, je vous remettrai l'article en barre d'infos. Et donc, elle m'a effectivement confirmé que j'avais une légère coupe rose. Alors, c'est très léger, mais c'est vrai que si on regarde à la loupe, comme elle a fait, on voit qu'on voit des petites veines, qu'il y a des petites des rougeurs dues à des vaisseaux apparents, on va dire, et elle m'a conseillé de faire du laser. Donc je vais me renseigner parce que moi c'est pas spécialement gênant dans la vie de tous les jours, j'ai le nez et les joues rouges quand il fait froid, c'est pas dramatique non plus, quand il fait meilleur j'ai pas du tout de problème. Mais c'est vrai que ça risque de s'empirer avec le temps, il me semble. Elle m'a conseillé quand même d'attendre un petit peu parce que autour de la grossesse, il y a vraiment des changements au niveau des veines, elle m'a expliqué, et que ça pouvait complètement s'améliorer, mais je pense pas que ça s'améliorera parce que c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Donc je vais me renseigner pour le laser, je sais pas si une séance suffit ou s'il faut en faire plus, je sais pas. Voilà, c'était le petit point coupe rose, et j'ai ma fille qui m'observe derrière en faisant des acrobaties, et je vais aller lui préparer son petit biberon. Censé être là, t'es pas censé être sur le lit. Ben non. Vous avez peut-être vu sur Instagram, je vous disais il y a quelques jours que j'avais reçu une tête d'oreiller en soie qui m'a. Non, mais ça va pas. Non, mais parce que l'accent n'est plus sur toi, parce qu'on s'occupe de quelqu'un d'autre, ça te va pas. Ça va pas bien, hein. Tima. Hein. Quelle princesse. Non, mais regardez-moi ça. Tima, allez, pousse. Donc c'est une tête d'oreiller en soie qui m'a été envoyée par le bureau de presse de la marque Vénus et Gaïa. Ça fait très très longtemps qu'on en parle sur les réseaux sociaux, les têtes d'oreiller en soie. Je n'ai jamais essayé, j'en voyais pas vraiment l'utilité. Et en fait, quand je suis allée me faire couper les cheveux il y a peu, la coiffeuse m'en a parlé. Elle m'a dit que c'était génial pour éviter les frottements, que ça permettait vraiment d'éviter la casse et de rendre les cheveux beaucoup plus brillants. Et en fait, comme la tête d'oreiller n'absorbe pas les soins, pareil pour le visage en fait, quand on met de la crème ou de l'huile avant d'aller dormir. Et ben apparemment sur du coton, du lin, ça peut absorber les soins. Donc c'est plus notre peau qui bénéficie des soins, mais c'est notre oreiller. Et donc ça fait quelques jours que j'essaie. Alors je suis pas sûre que j'aurais choisi cette couleur-là, bien que je la trouve très jolie, c'est juste que ça ne va pas vraiment. Pense quoi Tima? C'est bizarre. Bon, c'est pas très grave. Mais j'aurais plutôt pris une tête d'oreiller en blanc cassé, crème un petit peu, ça aurait été peut-être un peu moins... Oui, ça aurait moins juré, mais bon, c'est pas très grave. Et c'est vrai que ça fait quelques jours, et je trouve effectivement que les cheveux sont plus doux, et j'ai l'impression d'avoir une peau plus douce aussi au réveil. Donc vraiment pas mal de ce que j'ai essayé jusque maintenant. Attendez, je vais vous parler du livre là-bas. Alors, c'est pas le meilleur angle pour la chambre, parce qu'on voit le bazar derrière. Bienvenue dans la vraie vie, ça c'est la vraie vie. Je suis en train de trier des affaires, donc je mets pas mal de trucs sur le bureau. Ce qui est censé être un bureau, alors je travaille jamais là. Bref, regardez ce que j'ai trouvé la dernière fois en librairie, quand j'allais justement me faire couper les cheveux. J'ai acheté 2 livres, Les Nouvelles Routes du Soi, en immersion chez les nouveaux spirituels. C'était dans la catégorie essais et sociologie. Je vous lis ce qu'il y a derrière, vous allez comprendre pourquoi ça m'a interpellée. Vous avez déjà essayé la méditation pleine conscience sur une appli, tenté l'hypnose pour vous défaire d'une addiction, chanter un mantra dans un cours de yoga, sans parler de votre ancienne responsable marketing devenue permacultrice en biodynamie après un stage vipassana. Retraite chamanique, cercle de sorcières, culte de Gaïa, yoga, reiki, jeûne ou tarot. Les nouvelles spiritualités explosent. Elles poussent comme des champignons magiques dans la jungle d'une modernité sécularisée et consumériste. Dans une société plus individualiste que jamais, et peinant à offrir des futurs désirables, leur essor témoigne d'un besoin puissant de lien et de transcendance. Les nouveaux explorateurs du sacré ne sont pas de simples consommateurs de croyances. La plupart inscrivent leur quête dans un projet éthique, social et politique.
dans un contexte de crise écologique. Ils aspirent à réenchanter le monde en tissant des liens avec le vivant et en renouant avec leur intériorité. Ils sont le signe d'une société furieusement entrée en quête de sens. Du désert de l'Atlas aux forêts de Bretagne, en passant par les tours de la Défense, Marc Bonomelli est parti en immersion à leur rencontre. Pendant 2 ans, il s'est initié à leurs rituels et à leurs croyances. Son enquête réunit de très nombreux témoignages et des entretiens inédits avec des chercheurs en sciences sociales. Alors, êtes-vous prêt à partir sur les nouvelles routes du soi ? Avec ce livre, je trouve, j'ai eu l'impression, en tout cas en le choisissant, que ça allait mettre l'accent sur le pourquoi. On est autant à être là-dedans, dans ce type de croyances. Comment ça se fait qu'il y a vraiment, une véritable mode et un véritable essor des nouvelles spiritualités. Et je suis curieuse de lire, ce qui se passe. Est-ce que ça démonte vraiment des croyances ? Est-ce que ça critique ça ? Ou est-ce que c'est plutôt une recherche du pourquoi on en arrive là ? Quelles sont les causes, finalement ? Donc, à voir. Et aussi, alors attendez, j'ai acheté un autre livre ce jour-là. Devenir lionne. Lionne, nom échappant au bestiaire féminin, contrairement à poulette, morue, gazelle ou thon. Lionne désigne bien plus que la femelle du lion. Ouais, ma poupée. Définit une créature noble, chasseresse, autonome, capable de sororité, de ruse et même d'assassiner un mâle vieillissant. Lionne perd toute joie de vivre en captivité, comme la romancière lorsqu'elle avait 20 ans, prisonnière d'un amour carnassier dévorant. Lionne, source d'inspiration pour celle qui aura appris à rugir, à défaire ses cages mentales. Animal indispensable qui méritait une magnifique mise en mots, mêlant enquête animalière, réflexion sociologique et récit intime. Je l'ai terminé hier. Très intéressant. Fort dans l'histoire derrière. Intéressant de faire le parallèle entre la femme et la lionne. C'est drôle parce que ça me rappelle un peu le début du livre Indompté. Vous l'avez peut-être lu, j'ai adoré ce livre. Et ouais, intéressant, très intéressant. Alors je ressors par là avec une prise de conscience de dingue, mais c'était une graine de réflexion en plus. Et en parlant de ça, je trouve ça... Enfin, je vais pas épiloguer sur le sujet, mais là j'ai l'impression... Alors je pense que je vais quand même me mettre dans le nouveau livre. Hein. Mais j'ai un besoin de prendre un peu de recul sur toutes les remises en question, ou toutes les déconstructions, sur les thématiques sociologiques... sociétale, etc. parce que j'ai besoin d'un peu plus de légèreté. J'ai l'impression que, comment dire, il se passe déjà cette chose dans ma vie. J'ai déjà assez de charge mentale en ce moment, en devenant maman, en m'adaptant à une nouvelle vie, en la gardant, en l'ayant à la maison. Je la fais pas garder, ma fille, pour l'instant. En travaillant, en plus, en ayant ma propre entreprise par-dessus. Je veux dire, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour en plus rajouter de ça des remises en question perpétuelles et des déconstructions à faire tout le temps sur des sujets sociétaux. Et autant j'adore ça et j'adore le faire, sauf que là je sens qu'il y a un peu un trop-plein et que je deviens, je sais pas si ça vous fait ça, quand vous êtes peut-être dans ces périodes aussi, j'ai l'impression de devenir aigrie de la vie. En fait, j'ai l'impression que tout est critiquable et donc je vois tous les mauvais aspects de tout, tout ce qu'il y a à remettre en question, tout ce qu'il y a à questionner, tout ce qu'il y a à déconstruire, et ça fait de moi quelqu'un d'aigri. Et parfois... là en tout cas je fais le choix d'être peut-être un peu plus ignorante de certaines choses, mais de mieux le vivre. Voilà, alors ça vient questionner, ça vient me chercher moi, parce que je me dis, mais attends Héloïse, tu peux pas rester dans ton ignorance juste pour plus de bien-être. Si, peut-être que la santé mentale est aussi extrêmement importante, et d'ailleurs je dis peut-être, mais c'est absolument sûr d'ailleurs. Je viens de me poser dans le salon, j'ai essayé de travailler un petit peu avec bébé à côté qui joue avec son hochet. Qui va m'assister dans mes rôles dans ma réponse de mail, n'est-ce pas ? J'ai mon ordi juste là. Et alors attendez, je vais vous montrer un truc que j'ai eu dans un magazine. Oui, on le voit là. J'ai acheté un magazine féminin il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Et c'était un chauffe-tasse que l'on branche à son ordinateur. Hyper gadget. Et je me suis dit, c'est pas bête, moi qui ai l'habitude, surtout en ce moment, de boire tous mes thés ou mes cafés froids. Why not? Je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. C'est vrai que le centre est chaud, donc je place ma petite tasse par-dessus. Bon, là, c'est hyper chaud, donc je ne saurais pas si ça fonctionne tout de suite. J'ai refait une petite tournée de Game My Chat. Hop. Bon, ça chauffe au milieu, mais est-ce que c'est assez fort pour chauffer toute une tasse? Rien n'est moins sûr. Surtout quand c'est un truc un peu gadget comme ça. C'est bon. Donc, comme je vous le disais, je vais répondre à mes mails qui datent d'une semaine. Je vais aussi... prévoir tous les posts, j'aime bien prévoir à la semaine les posts pour le compte Instagram Héloïse Beauté, qui est le compte Instagram de la marque. D'ailleurs, je suis sur les analyses. Bébé, tu permets tout ça ? Tu permets ?
Je suis sur les analytics de février. Et ce qui est hyper, ce qui est hyper positif avec cette marque, c'est qu'on voit toujours dans les statistiques, je vois le nombre de personnes qui recommandent, qui ont déjà passé commande, qui sont déjà clients en fait. Et figurez-vous qu'on a 60% des personnes qui achètent, qui sont des personnes qui ont déjà acheté chez nous. Ce qui est hyper positif en fait, ça veut dire que ça plaît. Donc maintenant, le but serait de faire connaître cette marque à plus de personnes. Mais moi, j'aime bien aussi ce truc de bouche à oreille. Ça m'intéresserait pas trop que ça soit à grosse échelle, cette marque. Ça perdrait un peu de son essence. Mais le bouche à oreille, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Alors quand vous offrez mes produits à Noël ou à des cadeaux, vous en parlez à vos copines, à votre entourage, à vos amoureux, parce que c'est des super produits pour les hommes aussi. Hein. Et ben, c'est la meilleure pub qui soit. Donc voilà, je vais répondre aux mails, je vais prévoir les posts Instagram. Qu'est-ce que je m'étais dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quoi les projets de la journée sinon? Je l'ai dit en plus au début de ce vlog. Instagram, mail, comptabilité. Vous voyez? C'est un acte manqué. Je voulais pas m'en souvenir. Bon, allez, je m'y plonge. T'en penses quoi? J'ai l'autre qui fait le grand écart à côté. Moi aussi, je préfère être dans une chaise et faire le grand écart. Alors, même si j'en suis absolument incapable. Bon, allez, c'est parti. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord, on devrait faire ça. Ouais. Sous quel angle? Quel axe? Quel axe on prend? C'est bien beau de lancer des idées comme ça. Faut creuser un petit peu. C'est la fin de journée, j'ai toujours pas terminé de répondre à mes mails. Ça me prend beaucoup plus de temps que prévu. Dommage, je ne suis pas sûre d'avoir le temps pour la compta. Non, sans rire, ma fille s'est un petit peu réveillée de sa dernière sieste. Je lui ai donné une tétée et là, elle vient de se rendormir. Je vais me faire à manger. Oh, il y a un petit zoom. Je me suis mis un plaid sur le dos. J'avais froid. Je vais me faire un petit goûter parce que j'ai faim. J'ai commencé à faire un pudding de graines de chia. Je pense que je vais le mélanger à du yaourt de soja. Parce que je vais mettre un petit peu de confiture. Je vais mettre une banane, ça c'est sûr. Parce que je mets de la confiture, du beurre de cacahuète, bien la noce chocolata. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je vais terminer de répondre aux mails. Et qu'est-ce qui est prévu? Allez, la priorité, ça serait plutôt de prévoir les posts Instagram. Et si j'ai le temps, allez, je peux faire un petit peu de compta. La lumière est un peu nulle, mais il faisait un peu trop nuit pour que j'en mette pas. Mon plaid et moi allons vous montrer comment on fait. Regardez, un pudding de chia, quoi ça ressemble. En gros, c'est ça. Il suffit de mettre des graines de chia et de mettre ensuite du liquide. Moi, j'ai mis de l'eau, mais vous pouvez mettre du lait végétal. Et en termes de portion, je dirais que c'est un quart de graines de chia pour trois quarts de liquide, à peu près. Parce que les graines de chia, ça a plein de vertus, mais ça n'a aucun intérêt de les consommer sèches. Sauf si vous les broyez, ça oui. Donc, soit vous les broyez, soit vous les prenez en pudding. Là, au moins, elles apporteront tous leurs bienfaits. Yaourt de soja. Bon, je pense qu'à des fins écologiques, c'est mieux de prendre les gros pots. Généralement, c'est ce qu'on prend, mais là, il n'y en avait plus. C'est pour ça qu'on a opté pour les petits. Hop, je vais mettre une bonne cuillère et demie de pudding de chia. Je vais couper une banane. Il y a Timaya qui est arrivée derrière parce qu'elle m'a entendu ouvrir le yaourt de soja. Et généralement, on lui donne la fin des yaourts, elle aime bien. Donc dès qu'on va dans la cuisine et qu'elle nous entend prendre un yaourt, elle sait que c'est pour elle. Je sais pas si vous connaissez cette marque qui s'appelle Confiture Parisienne. Ce sont des merveilles. Et pourtant, moi, de base, je suis pas hyper fan de confiture. Mais alors, en fait, cette marque mélange des goûts, mais incroyable. Abricot, lavande. Il y en a... il y a plein de trucs et tout est bon. J'ai jamais été déçue par une confiture. Et j'avais profité, pareil, d'une vente chose pour acheter des coffrets. Voilà ce que ça donne comme petit goûter. Pas mal, hein. Bon, ça serait plus joli s'il n'y avait pas cette lumière horrible. Et donc je vais déguster ça en terminant de répondre à mes mails en fait.